Alors, mes amis, mes camarades, comme vous le savez, je suis quelqu'un euh, de farceur. Voilà. Hein, euh, D'ailleurs, il faut être très honnête, beaucoup de gens ont déjà fait les frais de mon humour. Et là, pour le coup, je vais me rajouter de victime. Euh, Monsieur Guémar, président de la Fondation Charles de Gaulle. Euh, alors, M. Guémard, vous vous rappelez, c'était un ancien représentant en immobilier. Hein. Il y avait ce qu'on appelait le loyer Guémard euh, 1000 euros pour 200 mètres carrés, enfin bon, un truc comme ça. Et euh, le brave M. Guémard euh, a, euh, était, disons, le sherpa d'Emmanuel Macron pendant l'année de Gaulle. Comme vous le savez, Emmanuel Macron est arrivé à faire sept fautes d'orthographe sur un mot de deux lignes dans le livre d'or de, de Colombet. Donc, merci Manu. Hein. Hein, ça. ça ça servait de se taper sa vieille prof de français pour pouvoir en arriver là. Nous sommes passés, alors vous me direz, il y a eu le Covid, il y a eu des tas de trucs, il ne faut pas leur en vouloir trop, si, 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 euh, parce que euh, De Gaulle les gêne, et c'est tout à fait normal. Parce que, euh, comme disait euh, euh, un collaborationniste, euh, l'un des aides de camp de Pétain, Sigmaringen, quand on est ce que vous êtes, on ne euh, manque pas de respect à Leclerc. Eh bien, quand on est ce qu'ils sont, on ne supporte pas d'être dans l'ombre du général parce qu'ils ne pourront jamais en sortir. Eh bien, euh, nous allons rendre un hommage appuyé au général par le premier web-colloque du Cercle Aristote. Donc, restez à l'écoute. Euh, bah, on vous prépare quelques surprises, quelques invités, euh, disons, un peu haut de gamme, quelques invités étrangers pour euh, rendre hommage aux plus illustres des Français qui méritait infiniment mieux que euh, l'hommage très tiède que ses ennemis idéologiques lui ont rendu, parce qu'il euh, n'y a rien de plus anti-Gaulien qu'Emmanuel Macron, et de voir, euh, disons, euh, notre sympathique travolta de de séance de drague en Jolive à l'Elysée. Hein, donc, vous vous rappelez, un hein, fils d'immigré noir, et je vous laisse terminer. Donc, euh, notre sympathique Travolta du, du dancefloor, euh, euh, disons, euh, du dancefloor de la Manchette, euh, notre sympathique Emmanuel Macron, à Colombais, c'est l'équivalent d'une violation de sépulture. Et cette insulte-là, elle ne passe pas. donc, Restez bien à l'écoute, nous allons préparer ce web colloque et vous serez informés. Et pour rester informé, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Tipeee, grâce à notre page Tipeee, suivez-nous grâce, euh, grâce à Facebook et bientôt sur bien d'autres canaux. Restez bien à l'écoute, vous ne le regretterez pas.